Y a-t-il une vie après la mort? C'est une question que beaucoup de monde se pose. Les fantômes, les spectres, l'énergie ou le magnétisme. Mais qu'est-ce vraiment? Y a-t-il encore quelque chose qui pense? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous ce soir qui vous fait un bruit? Qui déteste? Y a-t-il des résidus du passé? À travers ces investigations, j'espère avoir des réponses et résoudre ces mystères. Alors, croyance, religion, superstition ou science, il n'y a qu'un pas vers la vérité. Vous êtes sur Destination Nocturne, Paranormal. Assez pesante pour ma part en tout cas. Oh, des bruits. Les amis, on passe à la séquence paranormale. Très honnêtement, je pense pas qu'il va se passer quelque chose. On verra bien. Les amis, j'ai pris mon petit K2 toujours. On va tenter donc l'expérience paranormale. Je vais laisser Anto de la chaîne Spiritus mener la barque. Et puis c'est parti. Bon. On est parti. Allez, on va partir. Donc, là, on se retrouve dans la cave pour tenter une expérience paranormale, même si je ne ressens rien de spécial. Je sais pas ce que vous ressentez. Pareil. Non plus, après, on va quand même tenter. Et voilà, on y va. Donc, bonsoir. Nous sommes venus dans votre manoir pour le visiter dans un premier lieu
et également pour essayer de voir s'il reste quelqu'un, quelques entités dans ces murs. Donc là, nous avons un petit appareil qui s'appelle un K2. Donc n'hésitez pas à interagir avec, juste en vous approchant. Ah, vous, je vais y arriver. En vous approchant, vous voyez, comme ce que je fais, même en passant, la lumière passera du vert au rouge, ça ne vous fera aucun mal. N'hésitez pas, on est là pour ça. J'ai des frustrations. Ça a bougé. On dirait que ça va. C'est passé jusqu'à vous, j'ai pas vu. Jusqu'au jaune. Alors, merci. Apparemment, nous avons une fluctuation au niveau du K2. Est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Alors, peut-être c'est un appareil, je sais pas. Ah, c'est du LR. Ça bouge. Alors, si c'est vous, on va vérifier quand même. Mais apparemment, ça bouge pas quand je rapproche le truc. Alors, si c'est vous, merci beaucoup. Merci beaucoup de vos efforts. Tout d'abord, je sais pas quoi dire parce que si c'est vraiment vous qui avez fait ça, je sais pas quoi dire. Est-ce que si c'est bien vous, vous pourriez essayer de faire un bruit? Un bruit plus gros, enfin, au niveau des murs? On vous écoute. Parce que ce sont des gouttes. Est-ce que vous pourriez réessayer de déclencher le K2 en vous approchant, juste pour vérifier que c'est bien vous? Alors, soit c'est nos appareils, je pense que c'est ce qui est le plus probable. Voilà, mais on va faire après. Que je comprends pas, c'est que si c'est nos appareils, d'accord, mais ce serait déclenché depuis tout à l'heure. Donc là, les amis, on a des fluctuations sur le K2. Moi, personnellement, je suis motivé, j'y crois pas trop. Alors, ça, je sais pas. Problème. On va voir. D'accord. Mais on va tester avec ça. Moi, je suis pas en mode avion, mais je suis loin là. Tu peux sortir ton téléphone juste pour montrer quand même ce que ça fait. Sauf que là, bien entendu, on va pas aller jusqu'au bout. Mais là, je suis dans le mode avion. Oui. Je sais pas si tu fais un truc. Alors, si tu veux, parce que je te propose, parce que ça filme. Yes. Ce que je te propose en tout. C'est que on pose l'appareil loin de nous, loin des appareils. Ouais. Si ça bouge, j'ai moyen. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser là, ce soit sur le petit dalle. Ouais, ça. Je sais pas, Là, les appareils sont loin. Voilà, donc là, les appareils sont loin. Excusez-nous si vous êtes avec nous. On va vraiment essayer de faire des réglages pour vraiment savoir si c'était vous qui avez fait fluctuer le K2 ou si c'était nos appareils. Alors, excusez-nous de répéter une nouvelle fois la question, mais juste pour vraiment confirmer, si vous êtes parmi nous, veuillez faire fluctuer le K2, s'il vous plaît, comme tout à l'heure.
Allez-y, n'ayez pas peur. Alors, si vous êtes là, n'hésitez pas. Accrochez-vous comme ce que je fais là. Ou même près de nous, sans nous faire de mal, bien entendu. Je sais qu'on vous en demande beaucoup, mais s'il vous plaît, une dernière fois, allez-y, toutes vos forces. Faites un bruit, tapez sur un tuyau, parce qu'il y a plein de tuyaux à côté de nous. Et c'est une dernière fois de poser une question. Ah, ça marche pas, on se part. Ok. Donc là, on essaye une dernière fois, et on quittera les lieux. S'il y a une entité, un esprit, quelque chose, n'importe quoi, je vous demande de vous approcher au maximum de nous, pour nous faire bien comprendre que vous êtes là. S'il n'y a personne, on s'en ira, puis tant pis. Donc approchez-vous, montrez-vous que vous êtes là. Une dernière fois, est-ce que vous êtes sûr de ne pas vouloir venir? On va bientôt partir, donc si vous voulez de l'aide ou quelque chose, on se prend contact, c'est votre dernière chance. Allez-y, puisez dans vos caméras, dans vos batteries si vous voulez. Allez-y. Moi, très sincèrement, le paranormal, j'y crois pas. Ou alors, peut-être que tout simplement, il n'y a pas d'esprit ou quoi que ce soit ici, tu vois, je sais pas. Ouais, je pense que c'est ça, je pense que... Après, voilà. Pour être franc, je sais pas ce que t'en penses, toi, Manjo. Mmh. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Manjo, mais... voilà. Honnêtement, la fluctuation du cadeau est explicable. Écoutez les amis, c'est la fin de cette vidéo paranormale. Comme vous l'avez pu le voir, il ne s'est rien passé. En tout cas, tout est explicable. Je ne sais pas si je referai des vidéos paranormales simplement parce qu'en fait, je n'y crois pas plus que ça. Donc, du moins, je n'ai pas eu plus de preuves que ça. Donc, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poster votre pouce, à vous abonner et je vous dis... à la prochaine.